Salut à tous, c'est Super Etienne, 652. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer deux tours de magie que vous pouvez faire avec des stylos. Donc je vais vous dire les explications aussi, parce que ils sont simples. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, mais bon. Pour ceux qui ne savent pas, je fais quand même. Donc alors, il y a le premier. Le stylo, vous faites pas, voilà. Regardez ce stylo. Donc ce stylo, donc il est dur. Voilà. Il est dur. Ça se voit quand même. Puis là, je vais le rendre mou. Alors, c'est parti. Vous voyez? Je sais pas si ça rend bien sur la caméra. En tout cas, si vous faites ça dans la réalité, ça fait. On dirait que les extrémités du stylo sont devenues mous. Enfin, je sais pas si vous voyez, parce que du coup. Voilà. Mais bon, donc en fait, voilà, ce tour de magie, bah, du coup, c'est simple, hein. Vous prenez le stylo, vous le prenez comme ça, et vous faites des mouvements comme ça. Puis celui qui vous regarde, il va croire. Que le stylo est mou. Donc ensuite, on va passer au deuxième tour de magie. C'est le stylo collé à la main. Donc alors, regardez. Donc là, le stylo est collé. Regardez. Voilà. Le stylo, il est collé à ma main. Je ne peux plus. Regardez, je le tiens pas. Hein. Mon autre main, elle est là. Je le tiens pas. Et voilà. Voilà. Donc en fait, l'explication, c'est que derrière la montre, en fait, il y a un autre stylo caché qui permet de faire tenir. Bah du coup le stylo du coup comme ceci voilà ou alors ça marche aussi avec une bague et un cure-dent voilà donc voilà c'est tout pour ces deux tours de magie que vous pouvez faire avec les stylos donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire péter la barre de like vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.